l'ai, j'ai fini, fini il y a trois ans ce texte, euh, j'ai beaucoup voyagé en Asie Sud-Est, j'ai beaucoup voyagé en Thaïlande et, euh, et au Laos. Et euh, la première fois que je suis allé euh, au Laos, j'étais assez, euh, assez naïf et euh, j'ai vu des gamins qui traînaient le long du Mekong et tout, sans parents, etc. Très jeunes, euh, certains qui fumaient cigarettes, enfin bon, qui n'avaient pas forcément des attitudes, des attitudes de gamins, mais qui étaient quand même très très jeunes. Et euh, la première fois, ça ne m'a pas tellement. Euh, marqué plus que ça, mais en fait en réfléchissant je me suis dit mais c'est vraiment des gamins qui se prostituent et, euh, et c'était assez vertigineux. Puis j'ai vu après, euh, j'ai vu ça en Thaïlande, à Bangkok, même s'ils ont pas mal nettoyé les rues, on voit encore de temps en temps des trucs pas clairs. Et, euh, et le fait d'avoir des enfants... À moi qui grandissais, qui arrivais dans les 7, 8 ans, 10 ans, dans les âges où malheureusement en Asie du Sud-Est il y a des gamins qui se prostituent, et le fait que mes enfants soient à moitié cambodgiens. Euh, tout ça, ça s'est un peu agrégé sur. Alors, c'est pas, pas une envie, l'envie c'est un truc très positif, mais donc on va dire plutôt une nécessité de traduire ça sur, en texte. Et, euh, et Dragon s'est euh, formé comme ça, de, de, de ça, de mes voyages et, euh, et aussi de, de mon goût pour, euh, pour le, le cinéma coréen. Et, euh, notamment euh, les films comme The Chaser, The, The Murderer euh, ou All euh, Boy, ce genre de, de cinéma. J'ai fait beaucoup de repérages qu'on peut trouver sur euh, un blog que j'ai tenu à l'époque. Euh, j'ai fait 2-3 jours de repérage sur Bangkok puis après j'ai fait une dizaine de jours de repérage dans la jungle dans le Salawin National Park euh, moi j'ai besoin de j'ai besoin d'être confronté euh, à la à la matière je travaille, j'ai besoin des odeurs, j'ai besoin du bruit, j'ai besoin de la chaleur, j'ai besoin de la jungle, j'ai besoin de savoir qu'il y a des serpents qui peuvent me piquer, peuvent me tuer, j'ai besoin d'y aller en moto tout seul, donc trouver quelqu'un qui veut bien me louer une moto, ce qui n'est pas toujours très simple en Thaïlande, etc. etc. J'ai besoin de ça pour écrire et le texte, je l'ai écrit là-bas en direct au fur et à mesure que je visitais les endroits où il se passait, à l'exception de Phuket. Euh, Phuket, c'est juste visité par Google Maps et compagnie, euh, parce que je n'avais pas envie d'aller à Phuket et ça ne me dit rien, et je ne suis pas très branché plage. Et, euh, et voilà, mais j'avais besoin de, de sentir cette Thaïlande crasseuse, odieuse. Euh, voilà, c'est des pays que j'aime bien. Enfin, l'Asie Sud-Est, c'est vraiment, vraiment des pays que j'aime bien. J'étais dans un restaurant euh, dans le Salawi National Park, enfin, à côté du Salawi National Park, dans cette ville qui s'appelle euh, Masaryang qui est une toute petite ville, mais très touristique, il y a plein de touristes, parce que c'est partie du Sun Loop, donc Chiang Mai, Sun, les gens font ça en moto, c'est très, très, très connu des backpackers et compagnie. Et dans ce restaurant-là, j'ai commencé à me dire, oh là là, il faut que je trouve une idée pour, pour Dragon, pour ce qu'il est, pour d'où il vient, pourquoi pour le nom Dragon, c'est toujours la même réflexion, les personnages ne sont pas juste un nom sur une feuille de papier, ils ont des parents, ils ont, euh, ils ont des origines, ils ont, euh, ils ont. Alors, surtout en Asie du Sud-Est, il y a la famille. La famille, c'est très important. C'est beaucoup plus important qu'en qu Europe, quoi. Et donc, euh, au fur et à mesure que je, je réfléchissais aux parents de dragons qui sont des chasseurs de miel, enfin, des gens qui récoltent le miel de façon illégale dans le, le Salawin National Park, qui est un truc qui existe vraiment. Il y a vraiment des gens qui font ça. Et euh, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, il a, on est en Asie du Sud-Est, la nuit tombe à 6 h du, du soir. Les gens ne dorment pas tout de suite, donc ils parlent, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, ils sont dans un parc national, ils, ils vivent comme on vivait il y a mille ans. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer Alors ce qui se passe, c'est qu'ils se raconte des histoires, je voyais que ça. Quoi. Et donc, euh, donc il faut qu'il raconte l'histoire à son fils. Et, euh, et donc c'est comme ça, voilà. je, je raconte l'histoire de, de Dragon. C'est comme ça que c'est venu. Il fallait que je trouve dans les origines de ce personnage l'histoire déterminante. Et l'histoire déterminante que j'ai trouvée, bah, c'est euh, ce conte que j'ai écrit. Quoi. Qui est, euh, qui est venu comme ça. Hein. Enfin, euh, ça, c'est la magie de l'écriture. Hein. C'est un format que j'aime bien. J'aime bien en tant que lecteur, j'aime bien en tant qu'auteur. Il euh, y, y a des gens qui sont des, des, des coureurs de sprint il y a des gens qui sont des marathoniens. Euh, moi, je ne suis pas du tout un marathonien. Je n'aime pas euh, l'idée d'écrire un livre qui va faire 600 pages. Et rien que l'idée que je vais me mettre à, à, sur un projet comme ça, je sais d'avance que je ne le finirai jamais. Euh, ce qui est plus ou moins en train de se passer avec le roman que j'écris actuellement, qui fait pas 600 pages, qui en fait la moitié mais j'arrive pas à le finir quand même. Euh, et la nouvelle c'est euh, c'est une miniature, c'est un truc et je suis euh, je suis devenu tellement exigeant avec moi-même et tellement j pff, je suis tellement pas satisfait de ce que je fais que j'écris plus de nouvelles, voilà. Mais euh, ce format-là moyen euh, là, il me convenait bien pour ce récit-là. Il est euh, il n'est pas trop long, c'est-à-dire qu'il y a, y a. Ça, c'est vraiment une longueur où je, je, me, je me retrouve bien, dans le sens, moi, j'ai horreur des, des trucs redondants qui ressassent. Ça, 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 ça me fatigue en tant que lecteur, ça me fatigue encore plus en tant qu'auteur. Il n'est pas trop court, ça permet vraiment de développer une histoire. Ça ne permet pas de développer un univers, mais ça permet de développer une histoire. Et le format, il est, euh, il est particulier. Il est, il, est, il est parfait pour ça. Après, Dragon, c'est particulier. C'est euh, des petits bouts de texte qui forment un texte, c'est déstructuré, c'est monté comme un film. Il euh, euh, y, y, y a une vraie volonté de raconter une histoire en littérature, mais comme on la raconterait au cinéma. Et cette volonté a été, a été avouée dès le départ. Et, et c'est vrai qu'entre le moment où j'ai eu l'idée, le moment où j'ai écrit le texte, il s'est passé dix ans. Et c'est les dix ans qui m'ont été nécessaires pour savoir comment j'allais raconter, quel était l'angle d'approche. Euh, au départ, évidemment, j'étais parti plutôt sur un personnage. De blanc, journalistes européens, machin, truc, qui découvre Bangkok. Et puis, euh, je me suis dit, ben non, je veux, je veux un personnage local. Je veux, euh, je veux un personnage qui, qui, qui a une sexualité bizarre. Je veux un personnage qui est a, à qui a, qui a la marge dans, dans la société thaïlandaise. Alors, c'est comme ça que j'ai imaginé ce, ce flic. Euh, euh, qui est homosexuel, mais pas vraiment, qui est amateur de Lady Boy, donc de transsexuel, euh, mais transsexuel le thaïlandais, globalement, c'est comme une femme, enfin, c est, c est, physiquement, c'est pareil qu'une femme, donc euh, c'est toute l'ambiguïté de, de, de ces personnages-là, de ces attentes, de ces femmes qui veulent devenir des femmes, qui veulent être opérées, qui veulent devenir des femmes à, à part entière. Tout ça s'est mélangé et tout ça c'est devenu le texte dragon, quoi. La BD, c'est un côté. Euh, alors, moi, j'ai un problème familial qui n'est pas un problème, mais. J'ai deux enfants dont j'essaie quand même de m'occuper et, euh, et, et je suis seul pour m'occuper d'eux. Voilà. Donc euh, il me fallait quelque chose qui me permette d'écrire et de m'occuper de mes enfants et de passer du temps avec mes enfants, etc., etc. Et la BD, comme c'est séquentiel, vous pouvez euh, travailler sur une demi-page, sur une case, sur, euh, sur un truc. Vous n'êtes pas dans un flot d'écriture où euh, pour écrire Dragon vous êtes dans de la prose et, et, et vous produisez de la prose et, et jusqu'à ce que vous trouviez le ton, la musique, etc. etc. La, la, la BD, c'est des toutes petites chansons, c'est euh, presque des jingles. Euh, Dragon, c'est pas une symphonie, mais c'est quand même c'est un gros morceau de musique entre guillemets quoi. Voilà, donc il y, 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 y a plein de trucs différents. Euh, c'est pas pareil. Et, euh, et je m'aperçois que la BD, ça me permet d'avoir une vie avec mes gamins et d'avoir euh, continuer à, être, euh, à faire l'écriture. Et puis il y a l'objet. Alors ça. C'est vrai que autant quand je reçois un bouquin que j'ai écrit, euh, très sincèrement, je le mets dans la, dans la bibliothèque et c'est game over. Autant quand je reçois la BD, bah comme il y a le travail d'un autre, comme il y, a, il y a le travail de toute une équipe, comme l'objet, enfin, je trouve que Wicca, c'est assez, assez génial et je trouve que juste un peu de sens, quand même d'un point de vue graphique, c'est quand même super. Il y a le plaisir d'ouvrir le machin et d'être enfin, voilà, face, à, face à un objet que je trouve nettement moins frustrant qu'un qu livre. et... Il y a un plaisir, euh, moi, je, moi je, je suis très attaché aux objets et la, la BD, je retrouve ça, ce plaisir d'avoir des, des beaux objets, etc. Et puis en plus comme chez Glenna, ils sont, ils sont quand même très, euh, au niveau de la fabrication et tout, ils sont très très précis, c'est pas des gens qui bâclent et tout, c'est un, un vrai plaisir.